Je teste la combinaison d'un abonné épisode 78 et on va commencer avec la première combinaison qui m'a été proposée par Tom, donc merci à toi. Donc on va se prendre le Mascas avec la scoutinette, les rollers azur et l'élan papier. Donc bon, pas besoin de vous le dire, c'est une combinaison méta, hein, très clairement. Une des meilleures du jeu, il n'y a pas trop de vitesse vu qu'on joue Mascas et c'est un perso très léger, mais voilà. Et c'est ma meilleure combinaison d'ailleurs, juste pas avec ce personnage, mais voilà, ça reste quand même ma combinaison. Mais donc voilà, honnêtement je pense pas que je vais douiller. Mais écoutez, on va bien voir. Donc comme d'habitude, on va se faire 3 courses pour cette combinaison et on va voir ce que ça donne. Let's go. Ok, on va commencer avec le supermarché Coco. Voilà, donc avec cette combinaison Mascas scoutinette, écoutez, c'est un petit peu une des meilleures combis, hein, on va pas se mentir. Après là, je la fais quand même parce que on l'a jamais faite avec Mascas. Et comme je vous ai dit, hein, d'un perso à l'autre, bah ça change évidemment. Voilà, j'ai tellement bien fait d'utiliser ma pièce. Ok, let's go. Et puis voilà. La blague, je me suis jamais pris ces voitures. Juste parce que... Enfin, genre en faisant pas attention. Jamais je me suis pris ces voitures, hein. Mais bon, c'est pas grave. Aïe aïe aïe. Let's go. Franchement pour le moment ça se passe vraiment très bien. Et je vais tenter un truc. Ok, let's go. Normalement on peut faire ça. Ouais. Mais ça marche totalement. Et ça c'est beaucoup plus rapide de faire ça que de passer mince. Là faire ce que je viens de faire là, c'est beaucoup plus rapide que de passer sur le passage du bas. C'est beaucoup plus rapide. Là j'ai appris ça tout à l'heure, hein. C'est même pas une blague. Je vous jure c'est vrai. Vraiment je suis un youtubeur qui fait des... Il fait surtout des shorts pour apprendre des techniques là sur Mario Kart. En gros là tu passes là, tu dérapes, tu tapes le mur, hop là, et en fait tu peux faire un ultra mini turbo. Et tu peux passer comme ça. Oh par contre ça c'était mauvais. Mais l'avance que j'ai. Regardez la minimap. L'avance que j'ai, c'est abusé. Non mais voilà, là franchement j'ai rien à dire. Là la course était vraiment, j'ai envie de dire, parfaite, hein. Et puis ouais, là j'ai réussi à mettre en œuvre la technique que j'ai apprise. Et apparemment ouais, c'est beaucoup plus rapide que juste de prendre le chemin du bas en fait. Donc écoutez, voilà. Et là il y a Flipper Waluigi et course à la propreté. Ouais, je suis tenté de prendre le Flipper, mais la course à la propreté c'est nouveau. Alors bon, vous savez quoi, on va quand même prendre ça. Non mais ouais, franchement ça va. Là pour la première course, ça s'est super bien passé. Vous savez quoi, franchement il y a un côté de moi où j'ai la haine. Parce que là, je vous jure, c'est mon circuit qui a été choisi. C'est moi qui ai été choisi là. Et j'ai choisi course à la propreté, et du coup, on fait ça. Si j'avais choisi le flipper, là, on serait en train de faire le flipper Waluigi. Donc, je vous avoue, il y a un côté de moi où j'ai un peu la haine, mais. Bah écoutez, on va dire que c'est pas très grave. Et là, on va passer là. Bon, j'ai mal pris mon truc. Et en même temps, j'ai même pas eu le double item. Et là, oui, aussi, il y a une technique pour pas se prendre le ventilateur, là. Enfin, pour pas se prendre le vent. Parce que du coup, quand tu te prends le vent, ça fait que... Genre, ça te repousse et tu mets plus de temps à prendre le virage, au final. Bon, c'est un peu relou, parfois. Mais, voilà. Et en fait... Je vais vous montrer là, une fois qu'on y sera. Il faut juste prendre comment dire, faut bien prendre le virage de l'intérieur en fait. Surtout ça. Et là, oh la blague, j'aurais pu aller chercher un double item, hein. Je suis stupide moi. Bon ok, c'est pas grave. En fait là ouais, faut juste bien prendre le virage. Je l'ai pas assez pris de l'intérieur. Il faut juste bien le prendre de l'intérieur, enfin limite frôler le hors-piste. Et voilà, après c'est bon. Let's go. Et puis je suis premier là en fait. J'avais même pas remarqué, mais oui je suis premier.
avec un champi et une carapace. Franchement, tout va bien. Bon, écoutez, je vais pas passer... je vais pas passer sur les éponges, tant pis. Ok, on va repasser là. Voilà, let's go. C'est comme ça qu'il faut faire. Enfoiré. Eh, je vais lui balancer ça. En fait, là, faut juste bien le prendre. Voilà, comme ça. Je crois qu'il m'a... Ouais, il m'a quand même poussé un peu, mais... pas des masses non plus. Donc, ça va. Ouais. Ok, ben là je pouvais pas faire grand chose, hein, je vais pas vous mentir. Là pour reprendre la première place, franchement c'était compliqué juste avec un champi. Sachant que l'autre mec il avait pris le chemin du haut qui est le plus rapide. Ouais, Red Ananas là. Et il a 15 000 points en plus. Hein. Et puis ouais, le reste de la salle, pas énormément de points, super. Non mais voilà, après c'était quand même une bonne course, donc bah, j'ai pas à me plaindre. Et ben on va terminer cette combinaison avec le Mont Ebouli. Let's go. Vraiment j'adore ce circuit. Hein. Dans mon quartier, il était ouf. Et là, il est encore plus ouf. J'étais très étonné d'ailleurs quand ils l'ont rajouté. Parce que je m'y attendais vraiment pas. Mais ouais, franchement, c'est ouf. Ok. Bon, j'ai pas eu d'item. Je m'en doutais un peu, mais bon, c'est pas grave. Bah, je voulais trick sur le tuyau. Mais c'est pas passé, donc tant pis. Ok, je vais balancer ça. Avec de la chance. Non, pas de chance. J'allais dire avec de la chance, ça allait connecter, mais du coup, non. Ok, super. Merci beaucoup, Peach. Et je vais me décaler, moi, parce que les carapaces. Enfin, les boules de feu là, ça va 2 minutes. Ok, let's go. Je sais que c'est vraiment pas le chemin le plus rapide là, de faire comme ça, mais. J'avais un peu trop peur des boules de feu. Donc bon, j'ai préféré pas prendre de risques. Hein. Ok. Ok, bah la Peach elle va se faire dégommer. Si tu veux, vole mon truc là, ma fleur de feu, y a pas de souci. J'avoue que je m'en fous un peu. Let's go. Lui on va essayer de le snipe. Ruby 95 là. On va essayer de le snipe. Ok super. Moi ça m'a pas ralenti. Vu que j'étais encore en train de planer, donc tant mieux. Quoi, il a dodge lui? Sérieux? Ok. Je l'ai pas eu. Ah, je l'ai pas eu avec ma banane, dommage. Vas-y, balance ta bombe, toi, s'il te plaît, en avant. Magnifique. Elle l'a eu. Mais c'est vraiment une blague. C'est vraiment une blague. Attendez, mais... Franchement, j'ai limite envie de dire que là, ce set d'items, le dernier, il sert à rien. Et surtout pour avoir des bananes quoi. Bah écoutez, bon, je me suis un peu fait rect à la fin, là je pouvais rien faire de mieux. Donc ouais bon bah, voilà, moi vraiment là je pouvais rien faire de mieux, hein. C'est pas ouf. Ah mais écoutez voilà, après je vous ai dit hein, la combinaison c'est une des meilleures du jeu. Donc voilà, et c'est aussi un peu mon main, donc ouais. En soi ouais je m'en suis plutôt bien sorti. Et du coup, on va enchaîner avec la deuxième combinaison qui m'a été proposée par Fatima Saba. Donc, merci à toi. Et du coup, on va se prendre Mario avec le quad standard, les roues standard et les standards. Donc, je vous laisse regarder les stats. C'est une combinaison qui est quand même assez lourde, étonnamment. Donc, bon, la vitesse, c'est bien, mais l'accélération, c'est pas très très bien. Maniabilité, ça va être un petit peu chaud aussi, je pense. Mais bon, écoutez, on va bien voir de toute façon. Donc, ouais, comme d'habitude, on va se faire 3 courses et on va faire de notre mieux. Let's go. Ok, on va commencer avec le Big Blue. Donc cette combinaison Mario quad standard, rouge standard et L standard. Que du standard, mais avec le quad. Voilà. Honnêtement je sais pas ce que ça va donner. Je vous avoue je sais vraiment pas. Parce que au niveau des stats, en tout cas
Bah sur le papier ça a pas l'air si ouf que ça. Je veux dire maniabilité et accélération c'est vraiment pas ouf. Mais comme je vous ai dit, sur le papier et sur le terrain c'est deux choses bien différentes. Ok, je suis désolé mec. Donc voilà, écoutez, on va bien voir. Eh, ce saut, il est franchement pas dur à faire, mais j'arrive plus à le faire. C'est n'importe quoi. Je sais pas pourquoi. Ok, on va balancer ça. Je m'attends à ce qu'il y ait un éclair. Non, c'est bon. Ok. À mon avis, il va y avoir un éclair ici, là. Donc, on va utiliser ça. Voilà. Let's go. Magnifique. Let's go. Ok, quatrième, franchement ça va. Au vu du début de la course, je trouve que ça va. Franchement, sur le final, je m'en suis pas si mal sorti que ça. Donc ouais, franchement, c'est bien. Et pour la combinaison, c'est vrai qu'elle est un petit peu dure à manier. Les mini-turbos, c'est vraiment pas si ouf que ça. Enfin, pas si ouf dans le sens où, ouais, ils mettent du temps à se charger. Et quand t'en as un, il dure pas longtemps. Mais franchement, j'ai connu pire. Donc pour le moment, je dirais que ça va. On va continuer avec la route arc-en-ciel. Pourquoi pas. J'aurais préféré la montée de Choco, parce que ça fait un moment que je l'ai pas faite. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai choisi aussi. Bah écoutez, c'est pas grave. La route arc-en-ciel c'est bien aussi. Ok, let's go. Et puis c'est vrai que la musique elle est ouf hein. On n'en parle pas assez de cette musique. Ça fait vraiment bah c'est vraiment déjà bien dans le style de Mario Kart 8. Donc c'est ouf. Ok, let's go. Bon, par contre, la blague. Ouais, avoir une pièce, bah, je m'en fous un peu, quoi. Ok. Normalement, ouais, let's go. Magnifique. Je vais garder mon boomerang quand même au cas où. Parce que là, je pense que, ouais, je vais avoir une pièce. Ouais, mais le boomerang en plein virage, franchement, c'est compliqué. Hein. Et puis le Donkey Kong, il est tombé. Bah écoutez, tant mieux pour lui, hein, j'ai envie de dire. C'est une blague. Vraiment. Après, vu que j'étais en train de planer, ben là, l'éclair, ça m'a pas ralenti des masses. M'a poussé dans le vide l'autre là. Ok, voilà. Oui, je reprends des items, oui, parce que là, sinon ça va pas. C'est pas une carapace verte qui va me faire remonter. Hein. Carapace rouge à la limite, mais pas une verte. Et ouais. Ah, mais les deux derniers en fait ils sont loin. Parce qu'on est que 6 là. Hein. Bon, ça je m'en fous. Là, la carapace verte, vraiment, j'en ai juste rien à faire. Ok, ça je balance tout de suite. Ok, le Donkey Kong j'ai réussi à l'avoir, donc tant mieux. Hop là. Franchement, je vais pas prendre de risque. Je vais juste sécuriser ma deuxième place. Ouais, ouais, voilà, on va faire ça. Non, ouais, parce que là, le premier, je sais pas si j'aurais pu le rattraper. Et ça se trouve, il avait... Enfin, ça se trouve, oui, à la fin, il m'a balancé une carapace verte. Donc, en fait, il avait une protection. Donc, ma carapace rouge, ça aurait servi à rien que je la jette. Et en plus, on m'a jeté une carapace rouge dessus. Du coup, j'ai bien fait de me protéger, ouais. Puis voilà, non, franchement, ça va. C'est pas si pire, franchement. C'est vraiment pas si pire. Donc, ouais, je me plains pas. Et écoutez, on va terminer cette combinaison avec la poursuite à Singapour. Il y avait Athènes antique, il y a un mec qui a mis aléatoire et s'est tombé là-dessus. Alors écoutez, moi je me plains vraiment pas. Sachant que très clairement, Singapour c'est mon circuit de ville préféré. Vraiment, c'est mon top 1 ça.
Je jure, mais regardez-moi ça, c'est incroyable. Je le dis à chaque fois que je fais cette course, mais c'est réel aussi. Franchement, je dis pas ça pour rien, quoi. Let's go. Moi, je m'attendais pas à avoir tout le monde non plus. Mais au moins, j'en ai eu pas mal. Let's go. Non, ah, ça l'a pas eu. Attention aux carapaces vertes, là. Peut-être que lui, il va se la prendre, celle-là. Non, pas du tout. J'ai tellement eu chaud. C'était à deux doigts de revenir sur moi, mais bon. Ok, let's go. Et les carapaces rouges, j'ai tellement fourbe. Et là, je l'ai eu, ouais. Ok. Troisième tour, let's go. Triple turbo, let's go. Ça va, franchement. La combinaison est un petit peu dure, mais c'est pas si pire, contrairement à d'autres qu'on a déjà pu faire. Franchement, ça va. Et puis là, je vais très clairement garder mes deux protections. Et puis on va passer là. C'est une blague. Non, mais il est pas sérieux, lui. Bah, puis forcément, lui. Yoshi, quoi de nounours. Avec ses mini turbos là. Forcément qu'il me double après. Ok, bon. Bah écoutez, ça finit aussi sur une deuxième place. Bon, franchement, en soi, ça me va. Mais c'est normal. Lui, ses mini turbos, ils sont complètement abusés. Je crois là, actuellement, le combo Yoshi, Quad Nounours, Roller, c'est le meilleur du jeu. C'est vraiment le meilleur. Du coup, enfin, oui, clairement. Lui, il peut enchaîner les mini turbos comme il veut. Et après, il me dépasse. Hein, c'est normal. Mais ok. Non, mais comme je vous ai dit, en soi, la combinaison, ça va. Elle est vraiment pas si pire. Et une fois que tu sais la gérer, bah ouais. Franchement, c'est bon. Et du coup, on va terminer avec la troisième et dernière combinaison qui m'était proposée par Logan. Donc, merci à toi. Et on va se prendre le Koopa avec la moto Sport GP, les roues standard et la parapente. Donc, je vous laisse regarder les stats. C'est une combinaison qui est assez légère. Il y a pas mal d'accélération. Ça va. Il y a aussi pas mal de vitesse, maniabilité c'est vraiment très bien et il y a beaucoup d'adhérence aussi, donc en soi je pense que ça devrait aller. Et pour info, ça c'est une moto qui dérape de l'intérieur, voilà. Donc ouais, comme d'hab, on va se faire trois courses et on va faire de notre mieux, let's go. Ok, on commence cette combinaison avec le Koopa, enfin avec le Metro Turbo, mais combinaison du coup ouais, avec le Koopa et la moto Sport GP. À savoir, la moto Sport GP c'est vraiment le véhicule que j'utilisais tout le temps sur Mario Kart 8 Wii U. Je vous jure, c'est vrai. Mais bon, les temps ont changé. Hein, maintenant, il y a des combinaisons qu'on appelle méta. Hein. Genre Yoshi Quad Nounours. Roller, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Et voilà. Et par contre. Ouh. En parlant de ça, il y a un Yoshi là devant. Bah, celui qui est premier. Mais il est super loin. Ok. Bah écoutez, pourquoi pas. Mais non, après je voulais absolument pas l'envoyer en avant. Ok, let's go. Écoutez, je vais balancer ça. Il y a une carapace bleue, donc c'est bon. Je voulais déraper, j'ai complètement foiré. C'est pas grave. Ok, let's go. Re 3 carapaces rouges. On va essayer de le rect, hein, mais... C'est une blague. Mais je peux pas avoir des champignons, non, aussi? Des carapaces rouges, c'est bien. Vraiment. Mais champignons aussi, ça pourrait être pas mal. Ouais, voilà. Ok. Franchement, il est juste devant. Carapace bleue.
Il était trop loin, mais je le rattrapais petit à petit quand même. Hein. Mais vraiment, wow, sur 3 tours, j'ai rien pu faire, c'est abusé. 94 000 points en plus. Ouhouhou, il est très très chaud. Après, j'ai fini deuxième, donc ça va. J'ai un peu de mal avec la combinaison, mais il faut juste que je me réhabitue. Sinon, en soi, franchement, la combinaison est bonne. On va pas se mentir, voilà. Mais ouais, c'est juste le temps de se réhabituer. Eh, je vous jure, je sais pas pourquoi. Là, c'est la deuxième fois. Où un mec met aléatoire le circuit. Et oui, il est choisi. Et là, ça a choisi Station Glagla. Et la course avant, bah, c'était Métro Turbo. Donc, c'est-à-dire deux de mes pires circuits du jeu. Sachant que la Station Glagla, c'est vraiment mon pire circuit, hein, d'ailleurs. Hein, voilà. Mais bon, on ne dira rien. Hein. Mais vraiment, là, c'est un petit peu abusé, quand même. Il n'y a pas de soucis, frérot. Non, mais par contre, là, il s'agirait de doser. Merci. Et j'ai remarqué qu'en fait, pour prendre ces raccourcis-là... Eh, la banane, elle m'a vraiment perturbé, là. Pour prendre les raccourcis, il n'y a pas besoin de champignons, en fait. Parce que c'est pas du hors-piste. Bon, je l'ai pas eu, mais c'est pas grave. Genre, il n'y a pas besoin de champignons. C'est pas du hors-piste. Tu peux les prendre comme ça, en fait. Après, ça, est-ce que c'est vraiment un raccourci ou pas? Franchement, je me pose la question quand même. Hein. Parce que, bah ouais, je ne sais pas. Let's go. Ok, il y a toujours la banane. Et je vous jure, attendez, mais la banane, elle est tellement bien placée. C'est abusé, je vous jure. La banane, elle est super bien placée. C'est vraiment, c'est une dinguerie, hein. Ok, écoutez, on va faire ça. Je suis désolé. Je suis désolé, le Yoshi. Par contre, il y a plein de Yoshi, là. Waouh. Mais il y en a plein de toutes les couleurs, en fait. C'est abusé. En espérant avoir un bon item. Ça va. Franchement, ça aurait pu être pire. Ok. Eh ben écoutez, troisième, c'est bien aussi. Hein, écoutez, le Yoshi noir a encore fini. Il a fini premier ou deuxième? Franchement, je sais même pas. Il a fini premier. Ok, et il y a un Kamek Cup qui était deuxième. D'accord. Après, ouais, là, franchement, le fait que ce soit une moto qui dérape de l'intérieur, ça m'a pas trop aidé sur ce circuit. Sachant que c'est un circuit qui glisse et tout. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Là, on a encore une course à faire. On va faire en sorte d'être premier. Eh, mais en fait, j'avais pas remarqué. Mais le mec à 94 000 points, en fait, c'est un japonais. Je suis en régional. Qu'est-ce que je fais avec un japonais, hein? S'il vous plaît. Je sais pas du tout. Mais en vrai, je pense que c'est comme si... En fait, si je me mets au mondial, je vais tomber sur des salles full japonais. Et moi, je pense que c'est comme si, en fait, les japonais, eux, ils se mettent en régional. Que des gens de leur région, donc que des japonais. Et il y a un français dans la salle. En fait, c'est pareil un peu. Genre là, c'est un peu... c'est une salle européenne, on va dire. Mais il y a un japonais dans la salle. En gros, c'est ça. Ok, donc on va balancer ça. On va balancer ça aussi. On va le rec là. Allez. Allez, ça passe. Non, ah, il a une banane. Ouais, ouais, il avait une banane. Évidemment. J'allais dire, j'ai pas envie d'utiliser mon champignon maintenant. Mais vraiment, j'aurais dû. Ok. Ah, dommage que je l'ai pas snipe. Ah, ça aurait été tellement beau. Par contre, il a que des protections vraiment tout le temps. C'est un peu abusé quand même. Donc, champi, je vais l'utiliser là. Non, mais c'est une blague. J'aurais espéré, franchement, que le... Que la carapace, elle me tape juste avant le... Le planeur, en fait. J'aurais espéré, vraiment.
Mais ça sert à rien d'espérer. Ok, ça va. Je me suis fait toucher, mais quelqu'un a balancé l'éclair à ce moment-là, donc c'est pas si pire. Let's go. Ok. Ok, je vais enchaîner. Pas le choix, hein. Let's go. Ah, le bébé Mario, là. Je l'ai doublé, mais après, je me suis pris le mur. Bon, d'accord. Non, mais ouais, ça va. Troisième, c'est bien aussi. Par contre, le mec, là, le japonais, il est super chaud. Je jure, j'ai limite envie de faire une course, mais avec une vraie combi, genre une combi méta, pour voir si je le peux ou pas, je vous jure. Ah, mais c'est abusé. Mais sinon, ouais, la combinaison, franchement, est vraiment pas mal. Malgré que ça derbe de l'intérieur, franchement, elle est vraiment bien, elle est cool. Donc, écoutez, moi, je suis globalement satisfait, voilà, et je valide. Mais du coup, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ma prestation. Et puis des trois combinaisons qu'on a faites. Voilà, moi je vous ai déjà donné mon avis dessus, hein. Je vais pas revenir dessus, évidemment. Et puis voilà, donc proposez-moi vos combinaisons encore en commentaire, hein, si vous en avez à me proposer. Et puis voilà, c'est ça qui est ça. Mais bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Comme d'habitude, c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à partager, ça me ferait vraiment très plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, activer la cloche pour manquer les prochaines vidéos, c'est très important. Et du coup, voilà, donc sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao.